What's up les gars, c'est Selmo! Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Ça fait un bail les frérots, ça fait un bail, mais on est de retour sur Captain Tsubasa Dream Team! Là aujourd'hui les frérots, on a la patate, on a la forme, on est motivé comme Jaja! Parce qu'aujourd'hui les frérots, c'est le portail des 1000 jours du jeu. Donc là on a un Roberto de Roberto Sao Paulo, rouge. Et le Genzo Wakabayashi Hambourg Junior bleu. Donc on va vite fait check guetter ce qui vaut, les stats, les passifs, etc. Donc on va dans joueur. Tac tac tac. Lac, lac, lac. On va faire une rotation. On va pas se prendre la tête. Tiens, on va d'abord le Waka. Le Waka, tac. Bon, déjà le Waka en bois. Bleu, d'accord. Endurance 1010. C'est pas mal, c'est même bon, c'est très bon pour un gardien. Coup de poing, bon c'est pas dégueu. En arrêt, c'est pas, c'est fort. C'est fort si t'as la méta club avec tous les boosts, ça peut être très intéressant. En rapidité, ouais, bof. Pas fort en rapidité. Puissance. Bof. Puissance pour un gardien, c'est pas. Bah je sais pas, je suis sceptique sur la puissance. Technicité, pas mal, ok. Il a le même passif que. Enfin, ouais, la compétence passive de. Waka rouge. Enfin, Shimazu rouge. Quand il fait une parade, 25% sur le boost, ok. Dag, il y a un truc qui est pas mal. C'est qu'il a l'arrêt parfait. Arrêt SSG. Arrêt SGGK parfait. C'est l'arrêt du LR et du. Genzo. Il me semble du Genzo. World Cup 2018. L'arrêt du enfin l'arrêt de Waka le plus puissant, il me semble. Bah ouais, c'est le plus puissant, donc voilà. Ouais, mais c'est tout. Bon, il n'a pas de potentiel, il a rien, donc ok. Tac tac tac, le Roberto, vous avez vu comment je galère avec des passifs. Moi j'ai du mal, mais bon, c'est pas grave, on fait de notre mieux. Tac tac, le Roberto, où es-tu mon ami Roberto? Oh, voilà, le Roberto. Bon, le Roberto. Ah, alors là, en tir, mon gars, il est pas mal. En endurance, pas mal. Bon, ballon haut, ballon bas, il est normal, ok. Puissance, bon, bah, c'est Roberto, hein, il est pas trop fort en puissance. En physique, il est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est très très fort. Donc, on va. Tueur de contre. Ah ouais, ça, c'est pas mal. Si l'adversaire tu as choisi contre, paramètre plus 1%. Tu vois ça là? Ça va en faire. Ça va faire réfléchir les défenseurs adverses. Donc on a la retournée qu'on voit dans l'épisode, il me semble, 1. Quand il lâche la bouteille et il montre à Tsubasa comment. Enfin, il montre sa volée spéciale. Ça, je m'en rappelle. Ensuite, on a une compétence d'équipe. On a une cohésion rouge, ok. Amérique latine, ok, c'est pas trop mal. Il a une passe, une interception. Bon, franchement, pas mal. On va vite fait voir son potentiel. Il y a un problème là. Oh, il y a un problème dans le jeu là. Ça bug. Ah, ça a bugué. Voilà, ça a bugué. Tac. Paramètres Amérique latine, plus 3%, d'accord. Franchement, c'est très très fort. Et 3% pour les rouges Amérique latine. Franchement, si vous jouez. Enfin, moi, je pense que la méta Sudam rouge, ils sont en train de faire du lourd là. Ils sont en train de la monter petit à petit. Donc, en plus, ils ont un gardien, ils ont le potentiel d'IA, ils ont le Pasquale qu'ils ont sorti qui est vraiment pas mal. Donc voilà. En recevant une passe de Tsubasa paramètre plus 5% lors du choix de la commande suivante. Ok. Ça peut être intéressant si vous voulez jouer le Tsubasa God Tier dans une cohésion latine. D'accord. Oh, ça bug là, dis donc. Lien nationalité. Plus il y a de Brésiliens participants, plus les paramètres augmentent. Ok. 6%. Ok, jusqu'à 8 joueurs. Ok. Franchement. Et il a un bouclier pour lui. Franchement, c'est très très fort. Très très fort.
très très fort. Le Roberto là, il est pas dégueu. Pour une méta Sudam, il y a rien que 3%. Mais je pense que son plein potentiel serait dans une Sudam rouge. Donc là, on va faire une rotation, on va pas se prendre la tête. Hein. Le Brobroquet là, vous savez, le Brobroquet en dessous là, hop, si vous voyez. Voilà, mon Brobro, tu connais la chanson frérot. En ce moment, tu m'as chié dessus, donc faut que tu te rattrapes. Alors, on va commencer. Première multi. Espérons que ce soit pas une multi cacarotte les frérots, parce que là... Eh bah si, c'est une multi cacarotte. Première multi, donnée comme d'hab, gratuit, prends mes sous frérot. Tiens, vas-y, je te donne, je passe. Je te donne, cadeau. Bon. On a une multi, enfin trois multi, une multi gratuite. Ok, on a un ballon Roberto. Tac. Allez, 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 mon bro bro, mon bro bro, mon bro bro, mon bro bro. Tu me chies dessus, tu me chies. Ouais, c'est incroyable. Là, 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 là. En ce moment, je te jure, les frérots, c'est un truc de ouf, mais la chance, ça ne sourit pas. Trois Dreamfest, je me fais chier dessus. Portail Sawada, je me fais chier dessus. Portail Shizaki Rouge, je me fais chier dessus. C'est waouh. Non, c'est rien de garanti là. Il n'y a rien de garanti. Bon, on prend des ballons Roberto, hein, ça fait plaisir. Hein. Toujours bon à prendre, mais ça, il n'y a rien de garanti dans ces trucs-là. Ah, là, 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 c'est honteux, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Hey, Clap, vous faut arrêter avec vos taux de merde là. Franchement. Putain, les gars, c'est incroyable. Clap game avec vos taux de merde. Augmentez vos taux parce que là, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout, là. 3% c'est pas suffisant. Surtout avec les anciennes cartes que vous avez, on chope tout le temps des anciennes cartes, et tout. Donc franchement là non 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 je suis pas chaud là. Je suis pas d'accord là. Ouais, c'est bien de donner des ballons Roberto, mais je m'en bats les couilles. Voilà, là j'ai le seum les frérots, je suis un peu énervé mais j'ai le seum. Allez, multi gratuite. On connaît hein. La tête de ma mère c'est honteux. C'est quoi ce jeu? Sur la tête de ma mère, t'es capable de faire je sais pas combien de multi, choper rien du tout. C'est incroyable. Je dis pas le contraire, j'ai chopé pas mal de cartes. Mais là, ça fait 4 mois, j'ai que des full doublons. Pas de new, rien. Donc ça fait mal au moral. Donc voilà. Clap game. Voilà. Merci Clap game. 3. 4 multi, 0 SSR. Bravo, continuez dans cette lancée. Augmentez pas vos taux de drop. Vous allez perdre des joueurs. Moi, ça commence vraiment à me saouler. J'ai arrêté ce jeu pendant 2-3 mois. Sans m'y intéresser. Enfin, sans mettre dessous quoi. Et là, franchement, je regrette. Ne faites pas ça chez vous, les gars. Je viens encore mettre des sous. Encore, ça va, j'ai pas mis comme avant. Mais ne faites pas ça chez vous parce que ils se gavent carrément. Clap Game se gave. Je le dis jamais, hein, mais là, je vous le dis. Je me plains rarement. Mais là, Clap Game se fout clairement de notre gueule. Entre les doublons, les méta qui sont pas respectés, la RNG. Je sais même pas ce qu'on fout encore dans le jeu là. On est drogué, je sais pas. On est des masos. C'est incroyable. Donc voilà. 4 multi, 0 SSR. Merci Clap. Voilà. Tu veux que je te dise quoi? Moi j'ai le seum. J'ai le seum. Je te dis quoi, c'est voilà, on a la forme au début et après on s'est fisté. Non mais c'est un coup de gueule, je venais ras le cul, je venais marre. C'est incroyable. Bon bah les gars, on va arrêter là. C'était une vidéo invocation pétée, claquée au sol, mais c'est pas grave. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu les gars, même si j'ai rien eu, soutenez, parce que là, le moral il pique. Donc prenez soin de vous, je vous fais des tonnes de bisous, ciao.